السلام عليكم. Voici un exercice d'arithmétique, exercice 10. Résoudre dans n fois n l'équation xy moins x plus y égale à 7. L'expression xy moins x plus y est égal. Alors je prends ces deux termes, celui-là et le x. Donc je remarque qu'il y a un facteur commun qui est x, donc je factorise par x et j'obtiens x facteur de y moins plus y égale. Alors maintenant je vais retrancher 1 et ajouter 1. Moins 1 plus 1 est égal à 0. Donc maintenant je prends ce terme et ce terme. Y moins 1 fois x et ici y moins 1 fois 1. Donc je factorise par y moins 1. Donc j'obtiens y moins 1 facteur de x plus 1. Alors je change le curseur. Alors vous voyez que xy moins x, alors j'ai pris ces deux termes et j'ai factorisé par x, donc j'ai obtenu x facteur de y moins 1 plus ce y, celui-là. Maintenant je vais retrancher 1 et ajouter 1. Moins 1 plus 1 c'est 0. Et je prends le y moins 1 qui est là, facteur de x, et le y moins 1 qui est là, facteur de 1. Donc je factorise par y moins 1, j'obtiens entre parenthèses x plus 1 plus ce. Bon. Notre équation, xy moins x plus y égale 7, et puis vous, x, y moins x plus y, on a déjà vu, il est égal à y moins 1 ou bien x plus 1. Le produit ne change pas si je change les facteurs. Ou bien la multiplication est commutative, donc x plus 1 facteur de y moins 1 plus 1 égale 7. Alors je continue. Ce qui est toujours à dire que x plus 1 facteur de y moins 1, je ramène le plus 1 dans le deuxième nombre et j'obtiens 7 moins 1, ça fait 6. Alors maintenant je consulte ce produit. Alors, ce produit, il implique que x plus 1 divise 6, et x moins et y moins 1 divise 6. Alors, j'ai obtenu deux résultats. Alors, x plus 1 divise 6, et y moins 1 divise aussi 6.
puisque x plus 1 divise donc x plus 1, il appartient à l'ensemble du diviseur de 6. Et l'ensemble formé par le nombre 1, 2, 3 et 6. Voir l'exercice numéro 9. La même chose ici, y moins 1 appartient à l'ensemble 1, 2, 3, 6. Cela est. Alors, si la résolution se fait par implication. Alors, on obtient 4k ici, soit x plus 1 égale à 1. X plus 1 égale 1. Ou x plus 2 plus 1, pardon, égale 2. Ou x plus 1 égale 3. Ou x plus 1 égale 6. La même chose pour y moins 1. Alors y moins 1, soit y égale à 1, ou y égale à 2, ou y égale à 3, ou il est égal à 6. Comme j'ai fait dans l'exercice précédent, alors je veux avoir le produit de x plus 1 par y moins 1 égale 6. Alors, les seuls k qui nous donnent 6 sont celui-là. Celui-là. Alors, x plus 1 égale à 1 et y moins 1 égale 6. Ouh. Je vais diminuer la grandeur de la ligne pour effacer ceci. Ou x plus 1 égale à 2. Il va avec y moins 1 égale à 3 pour avoir 6. Donc x plus 1 égale à 2 et y moins 1 égale à 3. Ou x plus 1, celui-là, il va avec celui-là, 3 fois 2. Égale à 6, donc x plus 1 égale à 3 et y moins 1 égale 2. Ensuite, finalement, si x plus 1
Voilà, 6, 19 moins 1, égal à celui-là, on va enlever celui-ci. 6 fois 1, ça fait 6, donc 19 moins 1, voilà. Tandis que les autres systèmes ne vérifient pas le premier nombre pour le premier nombre égal à 6. Donc j'ai obtenu 4 systèmes. Avec deux équations qui arrivent facile. Alors x plus 1 égale à 1, cela veut dire que x égale à 0. X moins 1 égale à 6, cela veut dire que y égale à 7. Ou x plus 1 égale à 2, cela veut dire que x égale à 1. Y moins 1 égale à 3, cela veut dire que y égale à 4. Ou x plus 1 égale à 3, cela veut dire que x est égal à 3 moins 1, 2. Y moins 1 égale à 2, cela veut dire que y la 2 plus 1, c'est 3. Et finalement, x plus 1 égale à 6, cela veut dire que x égale 6 moins 1, 5. X moins 1, y moins 1 égale à 1, cela veut dire que y égale 1 plus 1, 2. Si remarquez bien que tous les résultats appartiennent à 1. Alors si j'appelle S l'ensemble des solutions de l'équation donnée, alors je démontrerai que S est inclus dans l'ensemble formé par les couples 0, 7, 1, 4, 2, 3. 5, 2. N'oubliez pas d'étudier la réciproque. Alors, je vais étudier maintenant la réciproque. La réciproque, c'est facile. C'est-à-dire, je vais voir est-ce que les quatre couples trouvés, est-ce qu'ils vérifient l'équation donnée. Alors, évidemment, ces quatre couples, vérification très simple, les quatre couples, réciproquement, les quatre couples, vérifiez bien. 5. Question de vérification. Équation. Bon. Qui est XY. Alors, moins X plus Y. Moins X plus Y. À 7. Je fais moi-même une vérification. Alors je remplace x par 0, y par 7, ça donne ici 0, moins 0, c'est 0, plus 7, 7 égale 7. Le deuxième couple, x égale à 1, y égale à 4, donc ici j'ai 4, moins 1, 3, plus 4, 7, 2, 3, 2 fois 3, 6, moins 2, ça fait 4,
10 3, 27. 5, 2. 5 fois 2, 10. 10 moins 5, ça fait 5. Plus 2, ça fait 7. Donc, les 4 couples vérifient bien l'équation. Donc, cet ensemble, l'ensemble, celui-là, il est inclus lui-même aussi dans S. Donc, l'ensemble. Alors, je vais le réécrire 0, 7, 1, 4, 0, 5, 2. C'est un peu. Le résultat numéro 1 ici, le résultat numéro 2, d'après 1 et 2, donc 1 et 2, moins 3. S est bien égal à l'ensemble de solutions de l'équation donnée égal à l'ensemble formé par les 4 couples 0, 7, 1, 4, 2, 3, 5, 2. Pourquoi de 1 et 2 j'ai conclu ce résultat? Simplement théorie des ensembles. Alors je vais rappeler ceci. Si un ensemble A qui inclut un ensemble B et B lui-même inclut dans A, alors je conclue que les deux ensembles A et B sont égaux. Ceci c'est un simple par rapport à l'air. Alors, définis, au revoir et à très bientôt.